Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur portique simple. Donc, la méthode d'aujourd'hui, c'est la méthode de course Hardy ou encore la méthode d'Hardy course. Donc, mes exercices d'application. Donc, pour utiliser ça que nous les méthodes d'Adipos, non? Donc, son méthode qui est basée sur ce qu'on appelle reader, facteur de partition, les moments d'encastrement, et après ça, nous le faisons avec le tableau de course. Maintenant, aujourd'hui, nous avons trois points importants. Donc, c'est reader, facteur de partition, et puis ça que nous voulons, moment d'encastrement parfait. Donc, comme tableau de course, ce tableau un petit peu long, donc ça va passer, donc on a obligé de faire ça dans une nouvelle vidéo. Donc ici, c'est pour petit clan ça. Donc, à J, nous relève le montant. JK, nous relève le traverse. KL, nous relève le montant. Donc ici, nous avons deux nœuds, donc nœud J, nœud K. Donc, pour que ça nous laisse à nœud, c'est parce que nous toujours dit, parce que nous avons étudié particulier surtout. Donc, dans le cas particulier, donc rencontre de débat, nous relève ça nœud. Donc ici, nous avons un nœud là. Donc ici, nous avons un nœud là. Donc l'autre bagage nous a expliqué dans portique ça encore. Donc lorsque nous détachons portique ça, donc mais ça n'a pas remarqué montant ça, il est encastré là et il est encastré là. C'est-à-dire autrement dit, dans le nœud nous considérons lorsque nous détachons nous considérons dans le nœud tout bien encastrement. Donc ici, là, nous avons un castrement. Nous avons un castrement. Donc ça, c'est surtout dans l'étude des portiques. Normalement, lorsque nous avons un bas qui est encastré en haut et encastré en bas, donc ça passe. Donc il est très facile pour nous déterminer ce que nous voulons, la raideur, donc, comme étant la première question. Donc, raideur là, facile pour nous déterminer, quand on a déterminé raideur là, nous dit raideur là égal, donc raideur là nous notons le cas. Dans le cours, ça nous notons le cas. Donc, raideur là égal avec I sur L, c'est-à-dire inertie divisée par longueur ou bien hauteur. Donc, ça va dépendre de qui côté même. Donc, si dans le cas, il y a un montant, donc qui c'est HJ, donc dans la place L, on va mettre H parce que ça, son hauteur, 2,80 m. Et je vois. Donc, si c'est dans le cas où on traverse, lorsque je détache ça, je vois là encastré et puis là encastré tout. Et je vois. Donc, lorsque nous avons encastrement en haut et en bas, ou bien à gauche et à droite, dans le cas de traverse, à gauche et à droite, donc pour déterminer ça que nous relierons de là, donc c'est I divisé par L. Donc, ça, c'est la formule. Donc, on continue avec l'exercice. Ici, nous sommes en phase correction de l'exercice. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer ça que nous voulons le raideur qui est en bas. Donc, comme condition, nous dit pour déterminer le raideur. Donc, lorsque nous avons un encastrement en haut et un encastrement en bas, donc pour déterminer le raideur là, que nous avons K, donc c'est inertie divisée par la longueur ou bien inertie divisée par hauteur. Maintenant, nous allons bar HJ qui est égal avec bar JH. Et ça nous dit là. HJ égal avec bar JH, donc c'est même bar là. Donc nous dit raideur égal à l'autre. Une égal avec l'autre. Donc nous venons gagner comme formule, c'est I divisé par L. Donc comme c'est dans le cas de montant que nous y est, donc nous dit c'est I divisé par H. Maintenant. Donc H c'est 2,80 m. Donc
l'inertie est constante, si vous regardez bien l'inertie est constante, donc l'inertie est dans mon temps, yo, donc c'est même l'inertie qui est dans la traverse. Donc l'inertie est constante. Donc si l'inertie est constante, ça passe donc dans la place qui est capable de mettre 1, c'est-à-dire I égale à 1. Donc lorsque je prends 1 divisé par 2,80 m, ça donne 0,35. Donc, redon nous gagne dans bar JK avec bar KJ. Donc, nous dit bar JK égale avec bar KJ. Donc, redon ça égale avec redon l'autre là. Donc, c'est-à-dire redon JK égale avec redon KJ. Donc, comme nous avons un cadre de traverse là, ça se traverse que lié. Donc, ici, on a une longueur. Donc, nous dit c'est inertie divisée par la longueur. Donc, lorsque nous prenons I divisé par la longueur qui c'est 4,50 m, donc nous venons 4,50 m, donc puisque l'inertie est constante, donc I égale à 1. Donc qui ça nous fait? Donc puisque I égale à 1, donc dans la place I nous mettait 1, donc c'est 1 divisé par 4,50 m, mais 4,50 m qui donne 0,22. Donc nous continuons déterminer de l'eau. Donc nous étions seul bas. Donc bar, nous retenons c'est bar KL qui est égal avec bar LK. Donc c'est le même bar là. Donc reader KL égale avec reader LK. I divisé par H parce que nous gagnons un montant. Donc ça c'est la hauteur. Donc I divisé par 2,80 m, donc puisque l'inertie est constante, et ça nous remarque là, l'inertie est constante, l'inertie est constante, il n'est pas varié. Donc ça nous retient. Donc la vérité, donc puisque l'inertie est constante, I égale à 1. Donc lorsque nous faisons I égale à 1, nous venons gagner 1 divisé par 2,80 m. Donc ici, on a 0,35. Comme valeur raideur dans bar KL et LK. Donc, deuxièmement, on a essayé de déterminer ce que nous les facteurs de répartition. Pas bien lorsque nous avons utilisé méthode, ce que nous les méthodes Hardy Cross, ou bien méthode ce que nous les méthodes Cross Hardy. Donc, un, nous commençons par calculer ce que nous les raideurs. Deuxièmement, nous supposons calculer ce que nous les facteurs de répartition. Donc, pour déterminer les facteurs de répartition, nous allons aller dans le nœud. Donc, facteur de répartition, nous notons le R. Donc, dans le nœud, nous une répartition qui fait. Donc, à partir de nœud J, nous avons une répartition qui fait JH, il y a une répartition qui fait JK. Donc, c'est-à-dire, pour déterminer le facteur de répartition dans le bar JH, là, donc, nous avons dit c'est reader JH divisé par même reader JH là, plus reader JK. Pourquoi ça nous fait le bon ça? Regardez bien vous. Donc lorsque nous avons ça, nous avons un reader qui est JK, nous avons un reader qui est JH. Donc ça veut dire divisé par somme reader qui aboutit dans le point JA. Donc lorsque nous remplaçons reader, ça par valeur, reader, ça par valeur, reader, ça par valeur, donc lorsque nous divisons par somme, ça nous baisse 0,61. Donc l'autre que nous avons pour déterminer, c'est reader, alors excusez-moi, facteur de répartition, nous avons pour déterminer, c'est facteur de répartition JK. Donc facteur de répartition JK, l'égal avec reader JK, divisé par même reader JK, plus reader qui aboutit dans le même ballon, dans le même nœud. Donc nœud, c'est J que lui. Donc c'est-à-dire, nous gagnons facteur de répartition JK, qui est égal avec reader JK, divisé par somme des readers, qui c'est, regardez bien, nous parlons dans le point J1, dans le nœud J1. Nœud J1, a bien gagné comme reader JK, plus reader JH. Donc, ça n'est plus là. Donc, lorsque nous remplaçons ça par valeur, nous devons calculer dans la première partie, bien, nous venons 0,22 divisé par somme, ça donne 0,38. Donc, 0,38, là, c'est facteur de répartition. Dans bar JH. Maintenant, nous allons aller dans nœud K. Donc, nous avons deux nœuds. Il y a un nœud J, il y a un nœud K. Donc, nous allons aller dans nœud K maintenant. Donc, pour déterminer le facteur de répartition KJ, pas bien, lorsque nous avons K, dans nœud K, nous avons une possibilité pour me partir là. Pour me faire une partition entre JK.
qui agit. Et ça fait nous dire, facteur de partition qui agit, la égal avec Rideur qui agit divisé par Rideur qui agit plus, avec papier, c'est somme des Rideurs qui aboutit dans le presse ABC, Rideur qui agit plus Rideur KL. C'est-à-dire, lorsque nous avons un cas, nous avons une possibilité de faire ça, nous avons une possibilité de faire ça. Donc nous faisons somme. Donc lorsque nous remplaçons Rideur par valeur, nous venons 0,61 comme facteur de partition. Donc, l'autre possibilité qui est encore, nous avons une possibilité pour déterminer facteur de partition dans bas KL. Facteur de partition, nous notons R dans le cours, c'est RKL qui est égal avec Rideur KL divisé par même Rideur plus Rideur KJ. C'est-à-dire, lorsque nous avons un point K, nous faisons somme des Rideurs. Ça veut dire Rideur KL plus Rideur KJ. Donc, comme Rideur, nous avons calculé déjà, nous avons joué comme facteur de partition pour bar JH là, qui c'est 0,38. Troisièmement, maintenant nous allons essayer de passer, répondre à la troisième question. Donc, troisième question, c'est déterminer qui ça? Donc, moment d'encastrement parfait. Donc, moment d'encastrement parfait, hein, ça veut dire pour moi. Donc, pour me déterminer mon moment de cassement parfait, que ça veut dire, cela s'applique pour les barres qui sont chargées. C'est-à-dire, je suis capable de déterminer mon moment de cassement parfait pour barre ça, parce que le chargé est gagné comme une charge qui est répartie de 2 kN par mètre. Pour barre H, je n'ai pas déterminé l'espace à mon moment de cassement parfait pour lui, parce qu'il n'est pas chargé. Même j'en trouve pour bar que nous voulons KL, on n'a pas déterminé le moment de cassement parfait pour lui parce qu'il n'est pas chargé. Et ça fait nous dire, si on détache la barre JK, du portique, on aura des moments, alors des nœuds qui sont considérés comme des encastrements. Ça veut dire. Donc ça veut dire, si on détache bar ça, en B nous dit, dans le nœud, il y a toujours un encastrement. Donc ici, il y a un encastrement lorsque je détache. Lorsque je détache ça encore, il y a un autre encastrement. Donc c'est ça que nous représente là. Donc même charge là, qui c'est 2 kN par mètre. Et je vois. Donc, nous avons besoin de calculer le moment d'encastrement parfait. Donc, formule que nous calculer le moment d'encastrement parfait, mais formule là. Pour que ça, c'est formule ça nous utiliser. Donc, formule ça qui c'est QL carré sur 12 là, pour que ça aide nous utiliser, c'est parce que nous gagnons un bar qui encastré de côté. Les deux côtés. Regardez bien. L'encastré à gauche, en J, l'encastré en K. Donc, puisque le bar est encastré des deux côtés, donc pour nous calculer le moment d'encastrement parfait, hein, c'est QL carré sur 12 n'a pas utilisé comme formule pour nous déterminer le moment d'encastrement parfait. Donc, et ça nous écrit là. Donc, moment d'encastrement parfait, JK, pour JK, comment m'a venu? Nous dit c'est QL carré sur 12. Pour qui ça le plus, il n'y a pas moins. On garde bien pour nous. Maintenant, mes charges là, charge repartie. Hein? Donc, pour charge repartie hein, aboutir dans J, ou bien AJ, il fait une rotation. Donc, rotation le fait, il fait dans le sens horaire. Puisque rotation le fait, il fait dans le sens horaire, ça passe. Donc là, ma bien, il y a un moment qui positif. Et ça fait nous mettre plus QL carré sur 12. Donc, QL carré sur 12, dans l'expliquer à cause de mon encastrement des deux côtés. Pour que ça me mette plus, c'est parce que, donc, lorsque charge le parti en libéral aboutit dans le point G1, donc il fait une rotation dans le sens horaire. Donc, lorsque nous remplaçons Q1 par valeur qui c'est 2 kN divisé par mètre, nous remplaçons L par valeur qui c'est 4,50, ouais, tout le monde ça, 4,50 que lié au carré, donc divisé par 12, ça donne 3,37 kN fois mètre. Donc, ça, c'est un moment que lié. Donc, on appelle ce moment moment d'encastrement parfait. Donc, nous allons déterminer l'autre moment encore. Donc, là, pour que ça nous mette moins QL carré sur 12. Donc, QL carré sur 12, on n'explique pas à cause de gain encastrement des deux côtés, mais et moins là, côté le souti. Donc, moins là, on explique comment. Donc, normalement,
pour moi rejoindre l'espace à point ça qui nous les cas, moi fais une rotation dans le sens ouais lorsque je charge là livre retrouver cas, eh ben il fait une rotation dans le sens anti-horaire. Donc puisqu'il fait une rotation dans le sens anti-horaire, ça passe. Donc il y a un moment d'encastrement parfait qui est négatif. Et ça fait nous venons moins 3,37 kN fois mètre. Donc nous étions en question qui c'est tableau de course là. Donc tableau de course là, nous pas de faire je dis parce que nous pas de vidéo à trop long. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo.